Et bonjour à tous, ok. Et bonjour à tous, c'est Game Mario. Non, parce que j'avais fait un enregistrement et ma voix s'était pas enregistrée. Alors, c'est Game Mario, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode hein, de Luigi Mansion 3. Alors, la dernière fois, nous avons récupéré deux boutons d'un boss hein, qui était Peter, et d'ailleurs le premier boss qui s'appelait Peter le Porteur. Et on a aussi sauvé le professeur Catastrophe qui nous a mis une sorte de laboratoire dans le garage qu'il avait récupéré dans un petit truc. Dans un petit une petite petite invention qu'il avait créé, qu'il avait mis, il était tout petit dans son garage, dans sa voiture. Oui, j'ai du mal à parler parce que quand on doit refaire une scène, c'est un peu chiant. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer l'aventure, tout simplement. Voilà. Ah, une petite précision, c'est que là, je vais tourner, je crois, 2-3 épisodes d'affilée. Donc, si en fait, à la fin de l'épisode, il y a à suivre, bah, ça veut dire que du coup, je l'ai pas arrêté. Et... Du coup, j'arrêterai quand vraiment j'arrêterai l'enregistrement. Alors du coup c'est parti, voici ma voix s'enregistre bien. Alors j'avais dit bien que Luigi avait peur toutes les 2 secondes. Oh. Luigi, la tentation fut comme une estontée, un succès. Laisse-moi t'expliquer à quoi sert ce dispositif. En fait c'est tout simple, il extrait des cartes depuis l'ascenseur. Toutes les données extraites alors sont affichées sur l'écran, n'est-ce pas formidable? Mettons cela en pratique. Installez le bouton dans le panneau. Ok. Oh! D'accord, les boutons se mettent elles-mêmes dans les trous. C'est bizarre, ouais. Qui se met direct dans les trous. Yay! À présent, tu peux réaliser l'agencement de nouveaux niveaux accessibles. Ce n'est pas toi, Luigi. Celui-ci était connecté au Virtual Boo. Les données sont envoyées à ton tracker au VB. Tu peux donc voir la carte du moment. Ou la carte depuis le menu en voir. Oula, depuis le menu du VB pour avoir un autre encore plus détaillé. Ça c'est très important. Pour résumer, Luigi, ta carte sera vraiment utile pour l'exploration de nouveaux niveaux. Partout à l'hôtel, pense à chercher les boutons d'ascenseur. Ces boutons permettront d'atteindre de nouveaux niveaux. Ok, tu vas bien entre des amis. Oh, tu parles, Luigi. Nous devons tester le système de communication. Oh, le VB avec plus. Et sélectionne SOS ta castoff. Ok. Un, deux. Ici, catastrophe. Ça signifie que tu parles paranormal. Est-ce que tu me reçois? Formidable. Le système de communication du VB fonctionne à merveille. Tu peux donc te servir pour te contacter à tout moment. Si tu reçois le bord de me parler, il suffit de recommencer le processus. Je pourrais t'aider dans une situation difficile. Ah, je peux aussi consulter du journal par ce biais. Dis-moi que tu m'appelles et que je montrerai en progression. Bref, j'adore tester mes inventions, mais il faudrait que je mette au travail. Maintenant, tu peux prendre l'ascenseur pour le 5e étage, puis que c'est là où se trouve ma chambre. Et dans ma chambre se trouve une valise. Pourrais-tu aller me la chercher? Peut-être un champ de numéro. Ah, non, je me rappelle pas. Bon, bah, tu chercheras toi-même, hein. C'est en mode, allez, tais-toi. Hein. Moi, juste avant, j'aurais allé quand même au premier étage. Ah, parce que c'est vrai que vous n'avez pas la possibilité d'aller au premier étage. Donc ça c'est cool en vrai. Le fameux premier étage. Et là du coup on peut pas. Du coup je vais tirer dessus peut-être. Ah ok c'était comme ça, fallait D'accord. Bon voilà, deuxième diamant. Oh oh, super. Et on a aussi un dernier. Du coup, est-ce que je peux l'extraire, pensez? C'est l'extraire le château. C'est carrément le château. Allez, plus vite, Luigi. Je sais que t'adores prendre ton temps, mais là. On peut pas l'extraire? Vraiment pas? Ça m'étonne. Ah, où t'as la carte en cas où? Ah ça je l'avais pas fait. Bon du coup ouais, je pense qu'on a plus rien à faire ici. Du coup il serait temps. Toujours des pièces. Amier. Ah moi j'avoue que je verrai de l'argent, je le récupère. Hein. C'est une règle. Le mec qui gagne de l'argent. Bon, allons réellement 5 mètres. Alors,
Ah, du coup, ça me dit à peu près à quoi ça ressemble. Pas mal. Ouh, ça a l'air gros. Allons-y. Cinquième. Oh. Il a vraiment peur. Il a peur à mort. Oh là là. Oh! Ça me fait peur. Ah, Luigi, je vais pas te me rappeler un détail important. Les deux blasts bleus étaient équipés d'une fonction. Le lance ventouse. Appuie sur Y pour lancer la ventouse. Et voilà, c'est tout. Bon, ça, je savais ça. Alors. Ah, le lance ventouse. Ah, ok, ça sert à ça. Ça permettrait de dégager le passage. Ok. Ça, c'est sûr, on peut. Je pète tout dans l'appartement. Je suis un fou. Vous avez vu la chaise? Ah, d'accord, on a ouvert le truc. Trop bien. Bon. Y a rien. Je vais faire tout ce qui se passe, moi. Hop là. Ah, moi je. Moi je vais niquer l'hôtel. Hein. Ah, on peut pas là. Ah d'accord. Quoi, c'est une chaise spéciale. Allez. Il y a un passage là. Non? Bon, il y a de l'argent là. Hop là. Ah. Oh. Il s'éclate, hein? T'es tu mets le respirateur en trou, il voit un truc qui est en train de s'inspirer. Trop d'argent. Putain, je pensais que j'avais pas répondre par. Ok. Merci d'avoir rappelé. D'ailleurs. Oh, il y a un truc là. Ah, c'est sûr. Le truc bien. Oh. L'argent. Putain, bon, les araignées sont horribles. Où ça va où? Bon, ça va où? Non! Non! Ah putain, fallait vraiment que je fasse ça. Ça là. Les araignées. Je peux pas sauter. J'aurais voulu sauter, moi. Oh 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 oh. Ah, il y a un diamant. Ici, un diamant. Ok.
J'ai vraiment peur de rater un détail. Je sens tellement que c'était une. C'est un truc spécial, c'est sûr. D'accord. Je crois qu'il y a des monstres. Si, il y a un fantôme. C'est ça, ça. Est-ce que c'est la chambre d'un Todd? Bonjour madame. Ah. Sacré araignée. Ah, par contre, les petites pièces gratuites. Oh putain. Un canard. Oh. What? Ah, c'est ça. Putain, mais comment ça se fait qu'il y a des pièces dans le... Mais ça, c'est Todd, ça. Ça, c'est un truc de Todd. En vrai, c'est satisfaisant de tout péter. Je suis en train actuellement de tout péter dans la maison, en fait. Dis donc, Luigi, t'en mets ta gueule. Il me fait chier l'autre, hein. C'est ça? C'est ça? Je sais pas si c'est ça. Mais il l'a bien caché. Ah oh! D'accord, bon, il n'y a rien ici. En théorie, hein, je théorise qu'il n'y a rien. Il le fait chier, hein, catastrophe. Hein. Excuse-moi, nous, on prend notre temps et lui, il veut qu'on se dépêche. Aïe! Ah putain! Bon, en tout cas, ils sont sympas. Hein. Dès le début du jeu, ça, c'est le Todd jaune. Enfin, je théorise. Hein? What? Ok, une autre pièce, carrément. Ouais, voilà, salle de bain. Plus d'argent. Je suppose que là, il y aura l'argent. On saura jamais pourquoi il y a l'argent ici, mais... Mais bon. Ah! Putain, mais je veux les avaler. Non, mais alors, ça déjà, il me casse les couilles. Ah, mais. Allez. Voilà. Putain, je me suis pris 10 dégâts par des araignées, quoi. C'est nul. Oh. La thune. Trop bien. Et c'est tout, du coup. En tout cas, j'explore bien, hein. Putain, pour découvrir ces endroits incroyables. Mais attends, mais il y avait une zone. Putain, il faut que je regarde mieux la carte. Hein. Non. Il y a quelque chose là. Attends, mais c'est pas... attendez. Ah, Luigi. Hein. Plus vite. Là. T'as vraiment pas moins de passer. Sûr, ça bloque.
C'est ça qui bloque, mais il y a une porte là. Hein. Ça se voit qu'il y a une porte. Putain, laisse-moi passer. Speedrun! Oh. Oh! Si on veut. Oh! La deuxième ou la première, je ne sais pas. Il y a un trou. Ok, il y aura un fantôme dans la salle de bain. Alors juste... Ah, attends, je vais quand même y aller. Enfin, si je peux. Attends. Attendez, moi je veux quand même... Niquer les fantômes. Ouah, bordel. C'est vraiment la chambre de catastrophe, ça. Mais qui fait du gold tranquille. C'est quoi, tu sais, mais... j'ai envie de faire la scène, tu sais. Il ouvre comme ça. Et direct. Direct. Bouge pas, toi. Bouge pas. Il y avait quelqu'un là, oh. Je l'ai vu. Il va être là, il va être là. D'accord. Ah! Ah putain, il m'a fait peur, je pensais que c'était le fantôme qui m'avait mis un coup. Putain, mais il me fait chier, catastrophe! Laisse-moi le temps! Oh là là, mais le jeu qui te... Putain, le jeu qui te dit bouge ton cul, quoi! Oh là là, mais laisse-moi d'explorer! Oh là là! Il est là, je crois. Ah non, c'est des rats. Avant, j'explore et après, c'est vraiment... Il est retourné. Là. Ah, on pouvait explorer le lit. Et au tir de là-dessus. Alors, tu te crois, mais moi, je pique tout là. Alors, un peu là. Hop, hop, hop. Ça, ça valise. Les petites pièges. Les petits pièges. Ah! Oh les bâtards! Bouge pas. C'est toi qui commence. Je t'écrase. Attends deux secondes. À toi là. Merde, merde, merde. Pan. Et le dernier. Bon, de merde. De merde, de merde. Paix. Ok, les lumières s'est ouverte. Du coup, si la lumière est ouverte, du coup, est-ce qu'on considère que c'est fini? Ah, là, c'était en plein aménagement, là. Une dorée! Ok. Je vais pour la petite coupure. Hein. Et imprévu encore. Du coup, ouais, quelqu'un fait de la peinture ici. Oh putain, la zone 100% blanche. On va péter l'armoire. Ah non, on peut pas. Le souci du détail par contre, hein. Genre tu peux vraiment tout avaler. Oh, et l'argent. Ok. Et la salle de bain. On est proche de la salle. Oh. Merde, je sais pas, je suis au fond. Ah, ok. Poussez-vous!
Oh, et la sale cachette. Oh. Putain, mais l'aspirateur, en fait, il va avoir masqué. Putain, je comprends toujours le bouton. Oh! Trop d'argent. Et là, deuxième. Oh oh! Parfait. En tout cas, on trouve, hein. À part si on peut espérer le son, non, je pense. Il n'y a plus rien ici. Et allons enfin aller dans la chambre de catastrophe. Où je sens le deuxième boss, d'ailleurs. Oh la gueule. Pas mal. Salut. C'est sûr. Hein. Par contre, j'adore Luigi qui fait je suis là. On peut se battre. Je suis là pour vous. Oh. Ok, bon bah. Excuse-moi, catastrophe, j'ai un peu pété ton vase, mais. Pas sûr. Hein. Je vais me casser les couilles. Oh. Là, j'avale tout. Une petite zone. Ce serait pas la zone d'ailleurs où il y a. Non. J'avais des trucs dedans en plus. Et regardez la lune. Dans 2 secondes. Putain les bâtards. Oh putain bâtard, il m'a fait tellement peur. Je sais même pas si j'ai pris la photo, mais bon. C'est pas grave. Attends, écoutez. Elle est trop bien, musique. Je t'ai assez coupé. Comment une femme de la chambre extra-place est faite avec la malle avec. Vous pouvez pas accepter cela. Nous la récupérons à tout prix. Et me reste pas, Patala. Fais chier. Oh oh. Ah moi je vais être le maniaque de l'argent. Alors là, moi chaque fois que je ferai de l'argent j'en prendrai rien. Avec plaisir. Oh oh, je vais bien d'ailleurs. Oh, il cache quelque chose. Il cache de la thune. Mais je m'en fous de l'armoire. Oh, oh, c'était un truc à décoeur, super. Oh putain! Salut! Bon bah. Super! Mais pas peur! Je vais le défoncer, lui dire. Salut! Allez, toi t'es mort! Tiens, va voir tes gars, merde! Revenez en vie! Et je t'arrête! Il est où? Il est là! Merde, j'ai raté. Allez. Paf. Ok. J'adore, on dirait que ça s'illumine un peu. Je suis content. Oh, la pièce. Ma... Ouh.
Putain, quand je vois plein de lingots, c'est le truc le plus rare, hein, je considère. Hein. Attendez. Merde. On peut pas les dégager? Ok. Bon, il doit me manquer des salles, hein. Il manque deux salles, je crois. Bon, je sais que la meuf, elle a pas été bien loin. Prends ton temps, Luigi, hein, prends ton temps. Elle est là! Comment c'est? Comme ça! Comment on doit faire? Oh putain! Je dois pas juste. Ah! La ventouse! Nous résiste. Ah, je sens comment. Ouais, c'est ça que je voulais en train de me dire. Je pense que c'est le bon tout ce qu'il faut avoir. Attends, bouge pas. Bouge pas. C'était. Et je refais. Bon, t'as pas été bien loin. Ouais, bonjour. On se cache pas là. Ok, bon, c'est. Bah, c'était l'endroit avec. Bon, bah. Bon, si la meuf à chaque fois elle va se casser, ça va être chiant. Hein. T'imagines trop Luigi en train de danser là. Il s'en fout. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que j'ai une porte, la projection est automatiquement sauvegardée. Enfin, presque automatique. Ce n'est pas le cas si tu cours de salle en salle sans t'arrêter. Par contre, si tu étais au moins 10 secondes dans une salle avant de franchir une porte, c'est sûr que tu sors regarder. Ok, il nous explique comment marche. Plus vite, s'il te plaît. En gros, si, ok. Alors là, je suppose qu'il va falloir faire très fort. Non, viens là, viens là. Paf. 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 Merde. Non, viens là. Ah, viens là. Moi, à chaque fois, je veux vraiment aller vite. Allez, bonjour madame. Toujours ici. Ah, non, pas ici. Ah, bâtard. Il m'a mis un coup. Mais qu'est-ce que je fais? C'est ça que je dois faire. J'ai du mal à... Jamais. Oh, j'ai les deux. Ouais, lève-toi bien, toi. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai... Ok, bon, je me suis pris un peu de coup. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas la canée. Ce serait pas là. Il y aura une zone ici. Hein. Je pense qu'il y a une zone qu'on peut accéder là. Bah elle est partie par où alors? Je pense qu'elle se balade de chambre en chambre. Ou bien elle est là. Non, je crois pas, je crois pas trop à ça. Non. Oui, puis tout à l'heure on cherche une femme de ménage, vous avez compris? Ouais, mais bon, c'est pas...
Ah. Appuie sur X pour révéler. On peut révéler. Je savais pas. Par contre. Ah genre il faut que tu Ah ouais d'accord. Du coup on sait qu'elle est là. Là. Je sais pas, elle a laissé une trace là. Non putain, rentre pas. Bah là ça se regardait sans vouloir. Elle fait pas chier. Bon il me répète à chaque fois que je fais ça, bon sympa. Je pense qu'elle est revenue au début. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle est revenue au début. Yes! Merde. Non, qu'est-ce que tu fais? Aval! Et défonce ça! Et elle est finie! Et voilà! Et ben voilà! Photo. Et du coup, on a eu la valise. Nice. Et une nouvelle salle. On a fini un étage, du coup. Un étage. Ah. Oh, en plus de la valise, j'ai appris que tu as récupéré un bouton ascenseur. Bravo, Luigi. Ok, super. Bon, bah, du coup, on va rentrer dans le labo pour voir ce qui va se passer. Et on finira l'épisode dessus. Il va être assez long. Mais c'est satisfaisant. Je sais pas si c'est ma manette qui bug vraiment. Allez, speedrun. Speedrun, VG, speedrun. Du coup, là, il y a une zone qu'on n'a pas pu explorer. Le troisième étage. Et comme la dernière fois, il se met à tout seul. On est au sous-sol. Faut que j'essaie de vraiment. Moi j'ai beaucoup de mal à appuyer sur Ra et en même temps je contrôle. Tu vois, j'ai beaucoup de mal. Alors du coup. Oh, le seul moyen d'aller plus vite c'est comme ça. Hein. C'est incroyable. La caméra. Ah, Luigi, tu es de retour. Je serai au gré de rendre ma valise. Moi, je l'ai pas. je l'ai avalé avec. Voilà, nous avons utilisé ça en combat. Mon grand âge m'empêche malheureusement de chasser les fantômes. Plutôt que l'abandonner, ma passion, je me suis créé un assistant. Luigi! C'est Luigi! Yes! Luigi! C'est que ça me fait sans con, mais quelqu'un m'a aidé à créer ce prototype. Tu vas avoir utilité. Luigi, peut-être te tourner s'il te plaît. Je voudrais te collecter ceci à l'étoplace Glum. Bien, tout est prêt. Luigi est en train d'entraîner ce Glum sur dehors. Ah d'accord. Bon bah on va le faire dans cet épisode. Aïe, 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 aïe.
Je suis un bâtard. Et je vais te laisser là. Tu es pas un flèche, Luigi. Oh, allez, mon garçon, je fais ça en ta France. T'as vraiment récupéré malheureusement de t'enfermer dans une cage. Pour toi, parce que tu as d'ailleurs en sorte d'aider Luigi. Avec Luigi, en appuyant sur R. Et voilà, je te présente ton assistant, Luigi. Luigi peut se passer dans les endroits étroits, comme au travers d'une grille ou à l'intérieur d'une bouche d'aération. Oh! Son corps est totalement malléable ensemble, c'est mon chef d'œuvre. Mais là, ici. Très bien. Il va falloir trop mal à te contrôler, puisqu'il y a une foule de déplacement de toi. Ah, c'est que c'est Luigi, on dirait qu'il est pas bien. Ok. C'est sans brouille avec. J'avais ses lunettes. Oh yeah. Merde. N'est pas impréhensible au moins contact avec l'eau, il dissout immédiatement. T'achètes des airs, c'est-à-dire l'esprit. Ok. Ok, c'est vrai que le mode de joueur en fait permet de. Ah merde! Attends, hé! Hey. Ah bah merde. Alors comment faire? Deux fois je fais la même heure, hein. On rappelle, ça fait deux fois. Alors comment faire pour y accéder sans me prendre l'eau? Luigi à l'autre. Oh bon Luigi, ton entraînement est terminé. Bon Luigi, c'est excellent. Les 4 heures du labo ont été absolument pour le moins mystérieux. Ok. Je parie qu'il est gros devant ton job pour en mettre tes aptitudes à l'épreuve. Ok. Bon bah super. Du coup on peut accéder au multijoueur. Bah c'est super. J'essaierai sûrement je pense la prochaine fois je testerai le multijoueur avec quelqu'un. Mais je finirai pas ma voix je pense. Sûrement. Non non. Comment vous quitter? Ah non, c'est bon, je peux partir. Ah ouais, explorer l'hôtel. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas te déplacer librement dans le. Bon, voilà, c'est la fin de l'épisode du coup. Merci d'avoir regardé cet épisode 4 qui risque d'être assez long. Mais je suis satisfait. On a fait du coup le 5ème étage. Et du coup, la prochaine fois, on ira au 5ème. Voilà. Et en vérité, j'aurais bien voulu garder la découverte de Luigi pour l'épisode 5, du coup. Mais malheureusement, bon c'est pas grave. Hein, je dirais ça pour le prochain épisode. Ouais, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour le prochain épisode. Et abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Il me dirait qu'il oublie ça. Je sais même pas si je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous voulez pas que je parle trop longtemps, parce que sinon, je parle pour ne rien dire.